partager live. Jour du derby. On demande à tous nos supporters de venir. On motive les troupes. Je vais mettre un masto privé. Merde, c'est pas ça. Ah voilà. Hop. Du coup, est-ce qu'il y a du monde là maintenant? Let's go, Marc, le classico! Match diffusé dans plus de 66 pays. On va procéder à la réunion tactique, les amis. Non, 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 attends! Ah, ouais, c'est bon. Alors. En attendant, on va faire la compo. Comment on joue, les gars? J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, la team. Wesh, pourquoi les étoiles, ils ont baissé, frère? Attends, attends, attends. Eh, y'a un problème, là. Attends, 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 attends. Eh, les étoiles, c'était pas comme ça, tout à l'heure. Attends, attends, on est d'accord, les étoiles, elles étaient tous à... Enfin, y avait... Tout le monde avait 5 étoiles, genre. C'est bizarre, ça. C'est trop bizarre ça. Ah, on est 6. Bientôt les gars, bientôt on dépasse la barre. Je mets la barre à 8. La vie à 8, je lance. Je fais la compo et tout. C'est bizarre. Qui ne saute pas n'est pas Marco. Faites délirer. Ah non, par contre, je comprends pas. Ça c'est trop chelou. Hein. Bon, c'est pas grave, on n'a pas peur, hein, les gars. Et tout à l'heure, à 7. 7, les gars. Du coup, vas-y. Alors, là, ma défense, ça va. Elle est bien, elle est bien. L'ambiance électrique. Julien, tu dis. Yoval. Ah, je suis mort. Je crois qu'on va jouer dans un 4-2-3-1. Comme attaquant intérieur, non, ailier intérieur. Voilà, l'équipe elle est bien ou pas? Yo, bon, ça va lancer. Hein. Je vais lancer, je vois, il y a du monde. Attaquant avancé, tuture. Voilà, c'est bien. Non, ailier intérieur, pareil. Et on les baisse, les gars. L'équipe elle est bien ou pas? Est-ce que l'équipe elle est bien, les gars? Vas-y, Bolix, je le mets sur le banc. Nous apporter les joueurs de l'AS Marquis se sont fait caillasser en arrivant. C'est un peu l'image qui ternit. Ah, il me fume celui-là. C'est quoi les compos? Bah écoute, ça c'est notre compo. Dites-moi si elle est bien. Dites-moi si je fais des changements. Par contre, Val, deux étoiles. Qu'est-ce qui t'arrive? Défenseur relanceur. Ouais, bah ouais. Enlève Arthur. Non, faut que je le laisse quand même, il est bon.
clé, m'enlever, puis en. Non, je rigole. Bon, allez, je vais lancer. On valide, hein. Jamais été aussi stressé de faire une compo. Alors que l'attaquant du CFC est décrié par les supporters. Allez, Tutur, fais taire les supporters, s'il te plaît. Allez, passez au match. Folie, tu peux te passer de tes commentaires. Allez, galé! Oh là là, la feuille de match! Alors que t'as vent carré dans les buts. Enzo Corion. Gucci West, Erwan Le Sec, Pierre Gest, Lucas Amy, ils sont tous là, les amis. Oh, il est où? Ah, il est là. Maxence Follet. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Que c'est beau cette équipe. Putain, le derby. Oh, on est 10. On est 10, les amis. On va lancer. Va falloir en tailler 2-3 là. Va falloir en tailler 2-3. Allez, on est dans les vestiaires. Qu'est-ce qu'on dit? Je veux une victoire aujourd'hui. On va parler à comme quoi. Hein. C'est ces matchs comme quoi ils les aiment ceux-là. Comme quoi. Je crois en vous, donnez tout et faites la différence. Arthur Pelletier, allez! Pas de pression, t'inquiète. Voilà, on va parler à Max. Je veux une bonne prestation. Coup d'envoi! C'est parti les gars, allez! Oh là là, c'est chaud, Julien Denis. C'est blindé, Lucas m'y donne le coup d'envoi, c'est parti! C'est parti dans ce match. Camille Willems. Oui, Cam. Putain, ils aiment ces matchs-là, Cam. Regardez la compo de Ismark. Ah, oh, ouais, ça joue à 5, hein, ça a un peur. Maxence Follet. Voilà, c'est perdu. Allez, allez, tu tures. Oh non, c'est Dave Brancard. C'est Dave Brancard. Oh, bien joué, oui, mais. Je te jure, j'ai trop peur, j'ai pas envie de perdre. Oui, Truel. Voilà, les gars, dédoublement. Oui, Max. Super, tu tures, tu tures, qu'il loupe son face à face, non, non les gars, non. Théo au corner, Willems, allez deuxième chance, Zoub, hey, je suis accroché là, oh. On est bien là, tu tures, non, but refusé, non, il aurait répondu à ses détracteurs, à ses détraqueurs, putain. On peut les voir, les supporters de AS Marc. Le stade est en feu ce soir, les amis. Regardez les CPD jouer à 5 derrière là. Attention! Wesh, oh lolo. Vous me faites peur, les gars, derrière. Yo, Zoub, t'arrives en cours de match, c'est bien. Le sec. Attention, non, non, oui, bien joué, mais. Ah, but refusé. J'ai peur. Putain, 11. Montre la compo, bonhomme. Ok, je vais montrer la compo pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, dans les buts, Tesh, arrière droit, Max. Défense centrale, Val et Miggs. Arrière gauche, Pierrot. En 6, Clément, en 10, ouais, c'est Zoub. Voilà. À droite, Emilio. À gauche, Camille. Et devant, Tutur. Voilà pour la compo du CFC, les amis. Regardez, Nounours, il est là, il est là. Il est à la buvette. On est 12, les gars, on est 12. C'est beau le football. Regardez Nounours, il est là, il est là! Oh le moine, Zoub! Oh non! Il y a faute, frère! Il y a Maxence Follet qui fait la faute là, ce petit PD. Putain, ça va pas se finir sur un 0-0 quand même. Hein. Il y a eu deux buts refusés là.
Nounours est mis torse nu, attention à vous les Marcos. Bon, on perd 2 balles. Corion. Follet, ami. Follet le Renoir. il est là, Nounours. Ah putain, on les voit. Hein. Dodo qui est là. Qui nous encourage. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, la team. 0-0. Alors, bon, franchement, on est meilleur qu'eux. Alors, continue sur ce rythme, ça devrait aller. Ok, on envoie ça. Alors, on va parler aux joueurs un petit peu. On va parler à Zoub qui arrive en cours de match. Alors, Zoub, aucune pression sur toi. Ok, bonhomme. Val, arrête de parler nounours. T'es capable de mieux. Max Rob. Aucune pression, Maxence Follet, on sent que les équipes sont observées sur cette première mi-temps. Oui, voilà, très clairement, très clairement. Les milieux de terrain, c'était pas mal, mais vous êtes capable de mieux. Allez, on débute cette seconde période. Allez, allez! Donnez tout! Erwan le sait qui sort, tellement il est puant. Allez, ça dégage. Le seul de nous tous qui peut faire carrière, il dégage déjà à la mi-temps, c'est beau le football. Oh là là. Pelletier? Non, Pelletier! Putain! Pelletier, allez! Faut que je fasse du coaching, les gars. Wow, ils ont peur, hein, ils jouent à 5 derrière. Ils dégoûtent. De Martin, oh, ça aurait été trop beau! Oui! Non, Emilio, frérot! Putain! Même AFM, les gars, c'est un derby. Un derby reste un derby. On se souvient que le dernier CFC Marc s'est terminé sur un 4-0 pour les rouges et blancs. Ouais, mais là, ça se passe pas comme ça, tu vois. Là, vous chiez dessus, vous jouez en 5-2-3, je sais pas quoi, là. On vous domine, on vous domine. Allez, 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 Mio. Oui. Voilà. Voilà. Bien joué, Zoub. Zoub, le premier but! Le but à souvenir! Oui, Zoub. Oui, je t'aime, Zoub. Voilà! Voilà, les gars! Regardez! Quelle passe de Pierre Ouimet pour Zoubir qui prend la défense de vitesse et qui marque! Eh oui! Eh oui! Voilà! Ça fait 1-0. Même dans la vraie vie, on en aura bien. Zoubir aurait marqué. Voilà. Eh oui, j'ai fait taire le public, les gars. Non, non, c'est pas fini. Monsieur Bancard est cloué sur place. Il ne peut rien faire. Il n'y a rien en face. Voilà sa chambre. C'est parti. Oh là, ils sont zéro. Ils sont zéro. Attention. Oh là 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 là. Bien joué, Tej. Bien joué. Oh là là. C'était bien brossé de la part de Enzo Corleone. Oh là, nous, on joue au sol. Attends, après, on va faire les changements. Rob pour Pelletier. Pelletier, non! Putain, Pelletier! Allez, on fait les changements. Qui on fait sortir, les gars? Qui on fait sortir, les gars? Qui... Ah, Bolix. La vie peut apporter Bolix. Allez, à ma place. Pfoot pour apporter l'agressivité dans le derby à la place de Kamko. Et on va mettre Axel Blo parce que lui aussi, il apporte l'agressivité nécessaire. On met à la place de qui, les gars? Je peux bien rester sur un but. Ouais, j'avoue, Zoub, tu fais un bon match. Bah on va rester comme ça. Hein. Voilà. Donc Pef et Bolix qui rentrent. Allez, gars, faites la différence. Corion. Ouais, bien joué. Non. Miggs, marquage, allez! Dedans, merde, y'a quoi en Pierre Gé, si t'es là, Pépitas. Voilà, on joue, on joue, on joue. Oui, Rob Druel, Rob, voilà, ça combine bien. Allez, Rob, voilà, il rentre dans l'intérieur. Oh là là, le PF, bien joué, bien joué. Putain, on a des Renault dans l'équipe, j'ai jamais vu ça. Voilà,
PF, putain, il enjambe. Zoub pour le doublé! Zoub pour le doublé! Soupir qui vient marquer le doublé! C'est beau! Ils sont où les Marquois? Voilà! Soupir, mieux connu sous le nom de Thomas Campagne, qui a inscrit le doublé. Regardez cette frappe! Voilà! Parfait! Bénéfice max! Allez, on ferme, on s'en bat les couilles, on est des PD! Let's go, les gars! On joue pas le beau jeu, on le sait, voilà, on fait sortir notre attaquant, rien à foutre. Bah les couilles, j'ai pas le permis, allez. Voilà. Et on repasse quatrième, que c'est beau le football. Il fait quoi, Baban? Ah, bonbon. Ah ouais, bonbon. Ah ouais, ok, j'avais pas compris au début. Je me suis dit, merde, il me parle de qui là? Gabarthez. Putain, comment on joue bien. Oui, Zou, mais il est en forme. Il est en forme. Pfoot. Pfoot pour le 3-0. Voilà, on réagit. On réagit. On m'annonce que Follet a quitté les tribunes. Et oui, voilà, quitter le terrain, bande de puants. Voilà, Max, il a quitté ce live. Quel ballon. Regardez, Maxence Follet, il peut rien faire. Pfoot du gauche, la pleine lucarne, c'est beau. On réagit. Putain. Putain, on perd encore 2-0 contre Lune Plage. Je me dis, putain, on va se prendre une branlée par les Smarks. Je voulais même pas lancer ce live. Et au final, ils font plaisir à voir, ces Calaisiens. Allez, Calais, allez. Il faut tenir. Regarde Max, il est en jambes. Il est en jambes, ce Max. Oh, pif, pif, Truil, Zoom, Truil, Truil. 4-0. 4-0. Oh, c'est beau, Truel! C'est trop beau! Oh là là! Je vais vous féliciter, les garçons! Regarde-moi ça, ça joue bien! Regarde, oh, Zoub, tout aime! Oh là 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 là! Ils peuvent rien faire! Hein. Là, les gestes, les. Oh, 4-0, gros, ça. C'est réaliste! C'est réaliste! Y'a rien en face! Y'a rien! Oh, attention, peut-être la dernière action! Là, Max Rob, il accélère encore une fois! Hein. Il est vraiment incroyable, le moine. Rob, le moine. C'est beau, Zoub. Allez, pour le 5-0, ce serait beau. Truel! Il y avait 0-0 à la mi-temps. Et là, ça fait 5. Putain, qu'il est bon devant celui-là. 5-0, c'est incroyable. On perd contre Lune Plage 2-0. Et là, on gagne 5-0 contre les Smarks. Qu'est-ce qui se passe? Le doublé, c'est beau. Bien joué les gars. Regardez, ils sont là les supporters. Le jeune nounours. Voilà. Il a remis le maillot. Le cop est là. Oh, Zoub, une note de 9-8, c'est incroyable. Incroyable, Zoub. Quel match il nous a fait. Le petit Léo Messi du CFC. Alors, est-ce qu'on peut regarder les highlights? Regardez les S-marques. Oh, Maxence Foley a même été remplacé le puant. Corian 6-3. G 6-8, ça a été le meilleur de sa team. Monsieur Bancard. 6,7. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe au quartier? Au quartier, c'est la S. Possession, on les a baisés. 18 tirs, 11 tirs. 11 tirs cadrés, 3 tirs cadrés. Putain. À la mi-temps, on s'est bien fait chier, mais pourtant. La deuxième, c'était autre chose. Putain, c'est bon ça, les gars. Voilà! Réaction des médias. Hein. Attention. Hein. On passe quatrième. Match correct, résultat correct. Maintenant au suivant, un très grand sentiment de faire tiens, Calais, bon match de Zoub, c'est ce qu'on attend de lui. Zoub a été pas mal. Ok, voilà. Je mérite le trophée demain. Alors, le score est amplement mérité pour les joueurs de Calais de France qui ont totalement contrôlé les débats face à tiens, grande partie au doublé de Zoub. Après l'avantage, une super finition portant du jeune milieu offensif Zoub à la 64e. Zoub a ensuite inscrit son deuxième but personnel sur un tir tendu de 17 mètres à ras de terre dans le coin droit du but après 79 minutes de jeu. Pirru a marqué sur une belle frappe à la 87e, permettant à son équipe de prendre le large. Emilio Truel a gravé le score. Putain, c'est beau, c'est beau!
C'est beau. 5-0, voilà, ça dégage. On va revoir les buts pour ceux qui étaient pas là, les gars. On va revoir les buts pour ceux qui étaient pas là. C'était tellement beau. Alors ça c'est le premier but du coup. Attends, hop. Ah non 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 ça c'est... Ok. Parce qu'on n'a pas marqué. À la mi-temps. C'est quoi ça frère? Mais ça c'est pas un but. Ah ouais c'est les highlights. Ouais ok. Si seulement ça pourrait être comme ça dans la vraie vie. Mais c'est comme ça dans la vraie vie, pépite. Ah bah c'est là, putain. Le con. Voilà. Ah, c'est là, c'est là. C'est lui qui a débloqué la situation. Ah c'était à la... Ah non. Ok. Deuxième but à la 79e. Hein. Ils ont complètement craqué. Après on les a baisés. Voilà, doublé de Zoub. Zoub qui fait la différence encore. Une putain de passe pour PFoot. Ça fait 3-0. Magnifique but. Pleine lucarne. Voilà. Et là, Rob, le petit centre. Pirou qui la remet bien. Il est dans tous les bons coups, le Zubin. Incroyable. Incroyable. Et là, on marque à la 95e. Regardez, regardez, c'est qui encore? Putain. Mais lui et les jeux vidéo, c'est vraiment une histoire d'amour. Hein. C'est incroyable. Lui et les jeux vidéo, c'est un truc de fou. Hein. Il est fait pour ça, le mec. Hein. Même sur FM, il est fait pour ça. Je suis désolé. T'es, je t'ai bu un café pendant le match. Oh! Sa chambre. Moi je dis ça, je dis rien, mais on n'entend plus Maxence Follet. Je sais pas ce qui se passe, les gars. On n'entend plus Maxence Follet, les gars. Putain, c'est dommage, j'ai pas de conférence de presse à ce niveau-là. Ah, c'était beau, hein. C'était beau, les gars. Oui, ton idole est là, Zoub. Regardez, il va falloir faire attention à lui contre le portel. Est-ce que je lance le match face au portel? Parce que c'est fort. Regardez, c'est fort les gars. La porn star du CFC. J'étais même pas prévenu du match. Va falloir faire attention au portel maintenant les gars. Moi je suis la montée hein. Lance frère. Ok. Pas de soucis, les gars. J'avance dans ma carrière. Dans 5 minutes, je lance. Zoub, tu vas le vendre 20 millions. Mais la vie de ma mère. Je lance maintenant? Ok. Je vais garder la même équipe. Hein. C'était pas mal ce qu'on a fait. Hein. Vas-y, go, on est 12. Ah! Attendez, on va voir le tirage au sort Coupe de France, les gars. Tirage au sort Coupe de France. Alors, contre qui on va jouer, les gars? Ok, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Dites-moi quand vous voyez le CFC. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, voilà. Putain, on est quand, wesh? On n'est pas passé, hein? On est d'accord, hein? Pour pas que je fasse ça comme un mongol. Qui on va jouer en Coupe de France, les amis? Avant d'affronter le Portel. Alors, putain, c'est long, bâtard. Allez, nique ta mère. Tirer toutes les équipes. Ah, mais je suis où, moi, du coup? Ouah, tous les équipes qu'il y a! Ah, ok, bah c'est là. Ah, c'est qui cette équipe? Sainte-Christine! On joue Sainte-Christine, les gars! T'es sûr qu'on est dedans? Ouais. Bon. Calais Football Club des Hauts-de-France affrontera Sainte-Christine. On sait c'est, les gars, on sait c'est. En quatrième tour de Coupe de France. C'est qui Sainte-Christine? C'est qui ces puants, en gros? On va les manger. Sainte-Christine! C'est quoi? Franchement, le hasard fait vraiment bien les choses. Hein. Parfois, c'est capacité 1000.
Ok, c'est un vieux club. Le tenant du titre, ok. 4 octobre. Bon, allez. Bon, bah, Sainte-Christine. Caca dans les buts. Attends. Attends. Je vais faire un petit truc. Ça s'écrit comment? Sainte-Christine, ok. Hop. Pour le kiff, les gars. Juste pour les kiffs, juste pour les kiffs. Voilà, comme ça. Voilà. On jouera Caca le routier. Et oui, les enfants. Ça va pas être un match facile, hein. La Coupe de France, c'est jamais facile, hein, les garçons. Donc tout de suite, place au portel. Place au portel, caca le routier. J'étais obligé. J'étais obligé, les frères. Pas mal à l'entraînement. Putain, Clem qui est bon à l'entraînement? Bon, c'est pas réaliste. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Allez, on se dépêche là, on s'en bat les queues. Alors, il propose quoi là? Oui, mais encore en polar milieu gauche. Ça se tente, hein. Polar milieu gauche, ça se tente, hein. Julien Dupont convoqué avec la C. Ah oui, bah oui, je vous ai pas montré la C. Mais ouais, la C, les gars, je dois mettre des pépites, hein. Je suis désolé. Ah non, mais je dois faire des choix, hein. Je dois faire des choix. Donc en C avec la B, enfin l'équipe réserve. Moi j'ai mis du Jujup, Elisa, Clemson, Yannick Hurtaut, hein, c'est pour le bien du groupe. Fabien Dupuis, Rémi Carton, Andy Oudor, hein, c'est une bête. Hein. Moi franchement c'est. Andy Oudor, ouais c'est pépite, hein, c'est la bête du CFC. Hein, 450 euros, ouais c'est craquito. Hein. Du coup Julien Dupont, moi, je pense qu'on va le laisser. Un attaquant pivot, hein, le Romelu. On le laisse avec la réserve, hein, s'il vous plaît. Faites pas des trucs bizarres, hein, en mode ouais, mets-le dans ton équipe, je sais pas quoi. Non, non, non. Voilà. Pourquoi tu rigoles? Moi, je pousse le réalisme au maximum. Romelu Dupont. Non, mais c'est vrai, parce que je l'ai mis dans un style pivot, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il est bon, hein. Ah ouais, buteur arrière droit, c'est l'homme que tout le monde rêverait d'avoir. Allez, réunion tactique, c'est parti les amis. Alors, qu'est-ce qu'on se fait comme équipe? Moi, je serais tenté de virer le cam, parce qu'il va être perturbé si on joue Sainte-Christine. Peut-être qu'il est pas, il a appris la nouvelle, il doit pas être bien. Non, mais c'est Romelu, c'est vrai, il ressemble. Ailier intérieur, ça pourrait être pas mal. Bolix là qui va rentrer dans l'axe. Putain, il va régaler celui-là. Putain, fut. Donc Cam sur le banc. En plus, il a fait une prestation médiocre. Hein. Face à l'ESMAC. On reste sur ça. Hein. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, les garçons. Bon, on lance. Bon, allez, rien que pour le kiff. Vous m'avez saoulé. Hop. Zizi. Non, 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 non. Hop là. Tu l'as payé combien, FM Port?
35 € je crois. 35 €. Il me semble. Donc voilà, Juju Dupont sur le banc, puis on va faire plaisir à quelqu'un d'autre aussi. Voilà. Putain, ta mère! Luc Lemoine qui est mon directeur sportif, hein, bien évidemment. On a des gens compétents dans ce club. Ils écoutent. Progrès, je l'envoie en senior. Allez, ça dégage. Voilà. T'es sur le banc, hein, par contre. N'en demande pas trop. Hein. Après, si tu me fais quelques petites avances, peut-être que je pourrais te mettre titulaire, quoi. Bon, le banc est bien. Le banc est bien, la team. C'est parti! Passer au match, voilà. Ah, Babon Edelec qui est présent sur l'aile droite, les amis. L'OL surclasse Saint-Etienne et sauf le 122e derby. Il y a eu combien, les gars? Il y a combien, Saint-Etienne? Souvenez-vous de notre dernier match et continuez sur votre lancée. Ah, les gars, c'est le portail, là. Ça me fait penser au match de pré-ligue, ça. Jean, direct les chicades, hein. Jean, ça c'est réaliste par contre. Polar, milieu gauche, putain, il fait rêver celui-là. Allez, garçon, allez, hein. Du sérieux, hein. Oh, c'est Hurtaud! C'est Mickaël Hurtaud! Qui fait ouvrir le score à la 5e minute de jeu! Oui! Putain les gars, on joue la montée! On joue la montée les gars! Ah, hors-jeu litigieux. Ah bah non, c'est bon, en fait, y a pas la VAR, je suis con. Eh, putain, qu'est-ce qu'on est bon! Dimitri Benkada, Daoud. Quel duo Jean Surtout, ouais putain. Un def central qui fait la passe à un def central pour le but, c'est beau. Oh putain, non! Rob! Rob, putain! Tu fais chier, hein! Regarde, il est pas au marquage celui-là. Regarde, regarde, regarde! Eh ouais, eh ouais! Eh ouais, Rob, tu suis pas. Et là, Jean, tu te fais passer. Putain! Des couches culottes, je te jure. Putain! Des zizi de cathédrale. Fais chier. Pelletier, allez, allez, Pelletier, putain. Allez, les garçons. Non, Bobo Nedelec quand il accélère. On le sait, ça va. Ça fait mal. Flavio, ah non. Non, il est pas là. Il est pas là. Toi, les tribunes avec. Ils sont chiants. Qui sont chiants, ces jeunes? Druel, bon ballon, Zou! Oh là là, Zou! Il a fallu récidiver le petit crack là. Le jeune Eden. Non, 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 non! Putain, oui, mais. Oh là 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 là. Oui, Druel. Allez, Pelletier, allez! Allez! Oui, Pelletier, oui, voilà! Voilà! Voilà, Pelletier! Voilà! Voilà mon garçon, j'ai confiance en toi. Je te mets titulaire et tu marques. C'est ça que je veux. Super mon garçon. Putain, enfin il claque celui-là. Ça fait plaisir. Baptiste Nedelec, le ballon pour Daoud. Oh lolo. Tu l'as acheté sur quoi FM? Je l'ai acheté sur. Putain, comment on a. Instant Gaming, je crois. Instant Gaming. Pelletier! Pelletier! Pour le doublé! Putain! Qui va oser le critiquer maintenant? Qui va oser le critiquer? Félicitations, tuteur.
Quel crack ce Daoud! Il fait trop rire! Vous êtes des fous, la vie! Prochain qui marque, je le mets Modo! La vie de ma mère! Prochain qui marque, je le mets Modo! Chance, encore un jeu long pour ce genre, miam miam, trop bon. Benkada, Nedelec, Benkada. Oh là 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 là. Putain, c'est le 30e minute, j'ai l'impression que c'est le 90e. Vas-y, Modo. Modo. J'ai compris, hein. Je ne suis pas con, bonhomme. Putain, ça combine bien au milieu. Pelletier, putain, Pelletier là, c'est. Oh, Pelletier! Oh là 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 là! C'est son match, hein. Martin, Théo. Bolix. Théo. Clem. Théo. Clem, ça joue bien. Pierre Ouimet. Polar. Ouimet. Le centre! Putain, Doré, il y prend tout de la tête, hein. C'est vraiment un monstre, tout simplement. Tchitch. Consigne. Pas de pression les enfants. Gourmand le PPL, on voit qu'il veut mettre son coup du chapeau. Ah ouais. Il le mettra, t'inquiète pas. Regardez Polar, regardez Polar. Putain. Ah, il rentre. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On fait tourner, voilà, on a raison les garçons. Rob, qui vient dans l'intérieur du jeu. Et oui, voilà le triplé. Regardez, voilà le jeune Max Rob qui vient dans l'intérieur du jeu. Et ça, c'est une consigne du coach, les amis, regardez. Regardez, c'est le coach qui lui demande de faire ça, de venir vers l'intérieur du jeu. Et voilà. Et du coup, il se passe ça, il se passe ça. Voilà. Putain, Zoub qui met un caviar à Pépel. C'est beau. La casa des Pépels. Regardez Rob encore dans l'intérieur du jeu, putain. Et il prendrait un kiff total. Si j'étais son coach, il prendrait un kiff total. Et voilà le moine en couverture, bah ouais. Mais non, mais me dites pas que c'est. Mais non, arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non. Pépel, tant décrié qui met le quadruplé en 40 minutes de jeu. Regardez la déviation de Polar. Toute la classe du jeune homme. Putain, les gars, 5-1. Waouh. Ok. Ok, j'ai compris qu'il fallait pas s'enflammer. Par contre, 7 buts en 40 minutes, j'ai jamais vu ça. Mais bon, c'est typique CFC, hein. Le régal. Mais ouais, mais Max, hey, putain, je te mets dans de bonnes conditions. Regarde, t'es à l'intérieur du jeu, garçon. Regarde-moi. Hey, moi, c'est City. Y a pas à chier, tu vois. T'es sûr que t'as pas pris le Totti? Hey! Il y a 1 heure, vous me disiez Arturo, c'est une merde, faut le mettre sur le banc et tout. Là, ils te font un quadruplé, frère. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, c'est parce que moi, je fais confiance à mes poulains, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oh, oh, Pelletier qui part dans la profondeur. Mais Pelletier, mais qu'est-ce qui t'arrive? 6-2, gros, à la mi-temps. C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Regardez la. Oh, des. Tèches. Oh, t'es si beau aussi, hein, putain, je bande. Hein. 5e but de la saison pour le Pelletier. Mais que dire? Que dire de ces pépites? Putain, 4-0 pour une plage. Wow. Ça rigole pas, vu. Ouf. Oh là 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 là. Pelletier. S'il est pas boosté, je comprends pas. De votre prestation, voilà. On va parler au joueur. Je sais qui est dans le live. Emio Druel. Il faut que vous vous calmiez, jeune homme. J'aurais pas dû mettre ça. Je voulais mettre ça pour rigoler, mais t'as paru démotivé du coup. Désolé, bébé. Putain, c'est la casa des pépels aujourd'hui. Putain, c'est incroyable ce qui se passe au stade Portello. Bien. On est bon, hein.
Oh putain, oui, non. Parfait. Oh là 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 là. Putain, mais moi, mon perso, il pue la merde. Hein? Attendez. Et gros, qu'est-ce qui se passe, frère? Oh, regardez ma passe de merde, gros. Okay, pigeon. Ouais! Voilà, putain. Putain, on est en R1 quand même. Il lui arrive quoi, la belle? Oh, Pierre Geste qui marque! C'est beau! C'est beau nag en face, mais la tête de ma mère, gros, c'est à porter l'eau, gros, c'est plus ce que c'était, frère. Le but de Pierre Gès face à Gravelines, ça a souligné aussi ça, au stade Jean-Claude Annuret. Par contre, Maxence, depuis qu'on lui a mis 5-0, il parle plus sur le live. Je crois qu'il peut y partir. Putain, 7-2, c'est honorable. Eh, putain. Vas-y, on fait rentrer les cracks, hein. Alors, quand j'entends parler de crack, bon, tu te jures, est-ce que je le sors après un match comme ça? Je peux pas me permettre de faire ça quand même. Il est barré. Il est barré. Miguel Hurtado, bah, un gros pour un gros, c'est bon. Moi, je vais faire ça. Pelletier. Ah, je dupe. Bordel, je dupe, il a pas d'étoile. Bah, qu'est-ce qui se passe, je dupe? Je dupe. Voyons. Bon, bah, pas d'étoile, écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dupe. Et pef. On va le foutre en 6 à ma place. Parce que moi, je pue la merde dans le jeu. Oh là. Faut le dire. Voilà. On a fait rentrer les pépites du quartier. Drouel, Pelletier. Pierru! Eh gros Pierru, mais qu'est-ce qui lui arrive, gros? Putain! C'est quoi ce missile qui te lâche encore une fois là? Eh gros, mais 8-2 au stade Portello. Hein. Alors qu'ils m'ont demandé de jouer le maintien. C'est incroyable quand même. Franchement, c'est incroyable. Les scores qu'on est en train de mettre, tu peux pas me faire jouer en match en 6. Ok, vas-y. Franchement, j'écoute le chat. J'écoute le chat, les amis. Je demande que ça. Je demande que ça. Wesh, c'est qui le mec en rouge? J'ai. Oh, but de Lucas. Et j'ai vu un mec en rouge, les gars. La vie de ma mère. Oh, Druel! Regardez, c'est qui? C'est qui ça? C'est qui, wesh? C'est qui? Gros, en plus, pareil gros, le bâtard. C'est qui ça? C'est qui ça? Il sort du. Oh, c'est. What the fuck? C'est quoi ce bordel? C'est pour juste 2 minutes en 6. Eh oh! Il va se calmer celui-là? Non mais. C'est fini. GG Max en 6. T'as fait un beau match. Par contre, gros, j'ai pas compris pourquoi elle était toute rouge, elle. Le tomato. Tomato Town. Quel exploit! Personne ne nous donnait la moindre chance! Mais vous avez fait un match fantastique! Félicitations! Voilà, on va mettre ça. Continuez. Voilà, les gars. Elle a pas compris le jeu de maillot. Mais tellement pas, frère, je comprends pas ce qui se passe. Un très grand sentiment de fierté envers Caléo de France. I have seen Pelletier. I've better gum the last thing the last tale of Frosties. Ouais, ok. Non, en vrai, je vais essayer de décrypter ce qu'il a dit, Mourad. Alors, Mourad, il a dit I have seen Pelletier. J'ai vu jouer Pelletier jouer plusieurs matchs. C'est. Celui. Ouais, bah, bref. I love Pelletier, ouais, c'est plus facile. Wow, bilingue. Bah non, mais je comprends rien. C'est pas grave. Mais j'ai vu I love Pelletier, ça veut dire il aime Pelletier, je crois.
Humiliation pour le Stade Portellois. Putain, c'est honteux. C'est honteux. Est-ce qu'on se referait pas les highlights avant d'arrêter le live, les gars? Un Pelletier des grands jours pour Calais de France. D'après The Athletics, Arthur Pelletier a été excellent cet après-midi lors de la victoire convaincante du Calais de France 8-2 en Régional 1 face au Stade Portellois. Les défenseurs du Pelletier a trouvé le chemin des filets grâce à une. Je veux bien voir le match contre la Cricri. Alors, Zoub, calendrier. Ah, bah c'est juste après. Est-ce que je joue la Cricri? Est-ce qu'on joue maintenant la Cricri? À 3 zizi dans les chats, on joue la Cricri. À 3 zizi dans les chats. En attendant, on va lire un peu ça. À 3 zizi. Ah, par contre, Coupe de France, c'est important, hein. En vrai, peut-être qu'on sous-estime Cricri, hein. Genre, moi je veux aller loin en Coupe de France avec vous les garçons. Mais je pense en vrai on va leur mettre une branlée. Surtout qu'en vrai en ce moment on est bien, tu vois. Du spectacle, hauteur de 6 buts pour Calais de France. Bon, on va aller regarder Marc. Ah, 3 zizi. Bon bah, on regarde un peu Marc. Et puis on go pour jouer en Coupe de France, hein, les gars. Face à Christine. Ah mais c'est pas une blague en plus. On joue Christine. Face à Graveline. Alors, but de Pierre Gès de la tête, bien évidemment. Un déménageur. Pour ceux qui étaient là, ils sont live d'avant. Ok. Donc là, ça fait un 0. Lui qui envoie Youhou. 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 Ça fait 2-0. Ok. Et le troisième, il me semble que c'est Lucas Ami qui a marqué. Si je dis pas de conneries. Hein. Ah, par contre, dépêche-toi un petit peu. Oh, c'est. Ouais, chat, chat. Chat. Fin des transferts, bah les couilles. Ma seule recrue, c'était Bolix. Donc, vas-y, on va jouer Sainte-Christine. Record de la plus large victoire pour Calais de France. Voilà, Pelletier bat tous les records devant le but. Putain, qui l'eût cru? Eh, franchement, 2 heures avant ce live, qui l'eût cru? Surtout quand on a joué Loon Plage. Tout le monde disait ouais Pelletier il dégage sur le banc et tout. Hein? Hein les gars? Voilà, c'est ça, faire confiance. Assez. Ouais, je n'ai pas pu établir de rapport et tout sur Sainte-Christine, frère, c'est qui pue la crotte, gros, je te le dis. Je regarde. Mais gros. Oui, ouais, ils sentent frère. Tant que Cacale, je vais le mettre en pointe. Oh! Il va lui à 85 le Cacale! Oh putain le crack! Machu! Non, en vrai, imaginez, il met un but, frère. Contre une plage, tu tueurs, c'était Benedetto. Mais il a tête de moi, frère. Poste. Je le fous buteur. Attendez, je prends une autre pépite. Non. Clic clic. Ah, c'est mieux d'écrire comme ça, c'est plus réaliste. Est-ce que je la mets dans les buts, les gars? Ou je la mets en def central? Personne favorite. On va bien s'amuser. Personne favorite. Raison parents, frères et sœurs, enfants, lien de parenté. Frères et sœurs, on sait pas, frère. Idole. Ah, je suis mort. Vas-y. Allez, idole du routier. Routier. Allez, c'est parti. Et en poste, vas-y, je la fous pas dans les buts, frère. Je la fous.
La foutre dev centre. Dev centrale, gros. On va voir si elle va prendre du tir de vitesse. Voilà, comme ça, les deux, le duo pour ce premier tour de Coupe de France. Allez, c'est parti, les amis. En vrai, je fais tourner hein, pour la Coupe de France, je pense. Alors, tu vois, des joueurs qui jouent pas beaucoup, je vais les faire jouer. Si Cricri elle prend de vitesse, j'arrête le foot. Juve squad. Non, mais j'ai mis deux joueurs, tu vois, pour eux. Ah, ouais, j'ai mis deux joueurs, tout simplement. C'est bientôt, les gars. Boîte de réception, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Allez, c'est parti! C'est demain! C'est demain qu'on joue la cri-cri! Allez, allez, c'est vardi, c'est vardi! Alors. Qu'est-ce qu'on me propose? Qui je fais souffler? Doré, on te fait souffler? Attends, ouais, fallait pas que je spam. Alors, ah ouais, qu'on peut prendre plus de joueurs. Bénef. Pfoot, il est pas mal en ce moment. Merde, putain. Oh putain, on va leur mettre une branlée, frère. Laisse tomber. Vas-y. Mais elle a un maillot chelou aussi. J'espère qu'elle l'aura pu. Bendume. Merde. Putain, il est où, Amrel? Elle est là. Amrel. Là. Willems contre les darons. Cette bosse. Ah ouais, mais il y a Pirou. Bah, Pelletier, on va le faire souffler. Hein. Après les 6 buts, attends. Non, vas-y, on va mettre Truelle en pointe. Putain. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Ouais, on va faire un petit plaisir. Attends, Pierre, je vais faire comme ça. Voilà. Et c'est good. L'équipe là, elle est pas mal. On a fait un... Ah non, je me fous pas au latéral droit. Qu'est-ce que je branle moi? Ouais, Axel Blo. Allez. Passez au match, c'est parti. Oh, c'est qui? Attends, non, hé eh. Mais il est où? Ah, il est là. Ah, bah c'est bon, ils sont là. Eh. Ça tient des buvettes. Là, ça tient la baraque. Ils sont là. Oh, capitaine, putain. Mais non. J'ai même pas regardé, ils étaient en quoi. Oh putain, on joue en blanc, c'est dégueulasse. C'est énorme. C'est tout bonnement énorme. Mais frère, mais pourquoi elle a un maillot rouge celle-là? Elle est trop chelou. Oh ouais, ça commence comme Williams. Mais non! Qui fait mal au daron.
Putain, c'est beau le football, les amis. T'es vraiment un noir gueule, Zubir. Non, c'est trop bizarre. Putain, Cricri, derrière. Oh, j'aurais dû la mettre en petite. Je suis un zigueg, moi. Chance. Putain, chance, arrête les longs ballons, fût. Il me saoule, celle-là. Celui-là, pardon. Touvel. Willems. Oh là là. Arrêtez les gars. J'en stream là-haut. Ouais. Si j'ai bien compris gros, ça va être le pass à 10 pendant 90 minutes. Et en vrai, je sais même pas où ils sont en quoi. Mais bon. Je connais, mais je savais même pas il y avait un club Sainte-Christine pour te dire. Portez l'écoute! Oh, rien à foutre la meuf. Elle a pas le même maillot que les autres et gros elle tacle, bon elle y veut. Waouh! Oui, oh là là, le PES! 8, putain, ça remonte bien. Match de Coupe de France, les gars, pour ceux qui veulent. Pour ceux qui viennent d'arriver, on joue. Ah, regardez ici. Du Cricri, du Routier. Et on joue contre bah, Sainte-Christine. Apparemment, c'est le joker à écouter le tien avec l'équipe qui a le ballon. Elle a pas compris. Mais non, mais attends, c'est trop bizarre qu'elle ait pas le même maillot que. Bon, bah. La différence est comme ça. Oh, elle arrive sur le live! Elle arrive sur le live! C'est SmackDown! Blue, Willem, ça combine bien, Druel. Chance au corner. Putain, elle marque, gros, je me pisse dessus. Wesh, elle fait quoi? Vestiaire. Allez, hop. Un peu de respect, écoute, sinon c'est ban. Suis chaud, je rentre dans le lard. Ouais, mais tu t'es trompé de maillot, je crois. Y a des bâtards tout à l'heure qui ont dit que c'est parce qu'il n'y avait pas des maillots à ta taille. Willems pour le 2. Eh, putain, eh. Si le hasard fait bien les choses en vrai. Non, mais attends. C'est lui qui met le but, là, il remet un but. Pourquoi tromper? Bah, tu t'es trompé de maillot. Regarde, regarde, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'il n'y avait plus de maillot à ta taille. Nique. Vous êtes des porcs. Regardez, regardez, regardez. Oh, allez. Elle fait 1m63, frère. Qu'est-ce qu'elle va aller mettre la tête? Oh, bon ballon! Ouais, putain, encore. Hey, vous avez vu le ballon, là, bien brossé de. Du Pierrot, regardez, regardez ça. Allez, monte-le. Voilà. Oh là 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 là. Putain, on a beau dire. Note-moi mieux, je serai plus forte. Bah, je veux bien fumer. Mais putain, il est bon. Mec, il est bon. Regardez-le. Un caviar. Voilà. C'est un euphémisme, Pierrot. Je mérite d'être modo pour ce but. Allez, t'es modo. Hop. Ajouté en tant que modérateur. C'est fait. T'es modo, mec. Pour les bons débuts de saison que tu me fais. Un doublé contre les Smarks. Un but en Coupe de France. C'est pas mal, mon garçon. C'est pas mal. Yo les gars, c'est le modo. Avec sa pince là à côté. C'est
c'est manier ses outils, frère. Benji et Jujup en attaque, les gars. C'est beau le football. Clem le Moine en 6. C'est parti. Attention à tes mots, écoute, sinon c'est ban def. Eh, elle va pas comprendre, mais Juju inexistant. Et attends. Mais en plus, tu pourras vraiment la ban, c'est ça le pire. La pépita. Pépitas, qu'ils sont face à face. Ça me gratte les couilles. On se dirige vers un cinquième tour de Coupe de France. Oh, Pierre Wimi qui se prend le jaune. Voilà, tout tranquillement. Putain, on a mis que deux, hein. Eh! En routier, buvette. Solide. Ils ont eu combien? Wow! 7-1. Vous voyez? Meilleure joueuse. Mais, bah, meilleure. Non, bah, joueuse. Meilleure joueuse de son équipe. Le routier. Ok. 6-8, c'est pas mal. 7-6 et Mio, meilleure note. Pierrot, 7-4. C'est pas bon. C'est pas mal. Vestiaire, c'est une belle victoire. Bien joué, c'est Coupe de France. Hein. Voilà, cinquième tour. Excellent, les garçons. Cinquième tour de Coupe de France. Voilà. C'est bien, ça. Et Michel, là. Mon péant, je voudrais pas assister à ce nouveau match. Hein. Alors moi je veux juste voir le tirage au sort du cinquième tour et puis après bah le live prendra fin les enfants. Tu devrais mettre James et Boom pour la sécurité. Fais le tirage. Ouais bah hop là on peut le voir ici. Tirage cinquième tour donc c'est aujourd'hui normalement. En vrai je pense que on va rejouer une équipe random. Imaginez où jouer Smarck. Juste imaginez. Refusé, je recrute pas moi les gars, j'ai déjà recruté un joueur. C'est le Bolix. C'est le Bolix. Ah, c'est parti! Wouhou! Ah, attends, non, ça va être trop long. Alors, même là, ça va être. Dès que vous nous voyez. Non. 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 Non plus. Non plus. Non plus. Non. 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 Non plus. Ah, Béthune. Salut les gars. Non, le Touquet Avion. Putain, ce sera qui pour les pépites du CFC? Qui ce sera? J'ai peur, les gars. Calife de France, on est là! Oh, on rejoue une équipe de puants. Hein. Brunstatt, c'est quoi ces puants? Info. Oh, j'ai même pas d'infos sur cette équipe. Très mauvais état le stade. Oh lolo. Oh, bah Brunstatt les gars. Ce sera Brunstatt. Ok. Bon bah voilà. On les joue quand les puceaux? On les joue juste après Gravelines carrément. Bon bah ce sera dans le live de demain les gars. Au programme live de demain, on joue Gravelines, cinquième tour de Coupe de France. Et on joue Camon qui play. Moi je ne jouerai pas, bonhomme. Donc voilà pour le live de demain.
Voici le petit programme, les gars. On se retrouve en live, les amis. Je rigole. Non, en vrai, hop. Je pense que je vais relive demain soir. Donc, pour ceux qui veulent, je vous enverrai le lien du live. Et puis, si vous voulez aller dessus, vous allez dessus. Si vous voulez pas aller dessus, vous allez pas dessus. Vous faites ce que vous voulez, la team. Donc voilà. Donc demain, 5e tour de Coupe de France, les gars. Donc, couchez-vous tôt, les enfants. Merde, hop. Salut à tous, la team. Tu seras présent. Merci, Pierre. Merci à toi. Salut, les BG.